This is called a wisdom tree. It's a shelf that holds your place in multiple books at once, and it acts as a lamp. Quelque part en France, une campagne modeste, un peu défigurée. Au fond d'une vallée à quelques kilomètres d'un village, des hangars recouverts de tôles rongés par la rouille, une ferme où tout serait à reconstruire. Autour, des champs d'ortie. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants. Ce n'est au départ ni un choix, ni un rêve. Ils gagnent leur vie avec une plante que tout le monde arrache. L'ambiance est gaie, plutôt. On se serre les coudes, on est loin du bon vieux temps, loin des exploitations à grande échelle, loin de l'agriculture bio et raisonnée. C'est la débrouille. Et puis un jour arrive une jeune fille avec son sac à dos, Frédérica. Fred fait du woofing, contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. Do you remember this book from your childhood? The Rainbow Fish, much like me, turns 30 this year. And if you haven't read it in a while, it is seriously messed up. The moral of the book is supposed to be that sharing will make you and everyone happier. But have you read the book lately? So Rainbow Fish has all those beautiful scales, and he's the only fish that has them, so all the other fish admire him. Now, Rainbow Fish doesn't really play or hang out with the other fish, could just be antisocial, so he seems super aloof, right? Eventually, one of the fish asks Rainbow Fish for one of his scales, because he has so many, so giving up one wouldn't hurt, right? First of all, scales don't fall off of fish naturally. Have you ever cooked a fish and you've had to descale it with a knife? He says no, so the other fish goes and gets all of the other fish to alienate him from society. Rainbow Fish finds a wise octopus that tells him if you give away all of your scales, you'll be happy. So he gives them all away, the thing that made him unique, so he would fit in. So they ostracized him, peer pressured him, asked him to dismember himself for their satisfaction, and to get rid of the thing that made him unique. Is that not a bad moral in communism? This is gonna be a series, and I'm doing this one next. Ces mangas qui s'inspirent directement des classiques de la littérature, c'est sérieux, je te jure. Seven Deadly Sins, de quoi nous plonger dans les légendes arthuriennes. Tu connais le roi Arthur, la table ronde, tout ça, tout ça. Ici, les légendes du roi Arthur sont transposées dans un monde fantasy plein de combats épiques et de pouvoirs magiques. Les Seven Deadly Sins, c'est un peu comme les chevaliers de la table ronde qui cherchent à sauver le royaume de Britannia. Moriarty the Patriot. Ici, on a un manga basé sur les aventures de Sherlock Holmes, mais cette fois-ci du point de vue de son célèbre ennemi, le professeur Moriarty. C'est l'histoire du méchant, quoi, tout ce qu'on aime. On comprend les origines du personnage et comment il est devenu l'antagoniste emblématique et complexe de Sherlock. Et enfin, Gankutsuo. Gankutsuo est une adaptation du célèbre roman de Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo de Gankutsuo est en vérité une version futuriste du comte Edmond Dantès, qui est le personnage principal du roman original. Injustement emprisonné, il décide de se venger de ceux qui l'ont trahi. L'histoire explore les thèmes de la vengeance, de la trahison, de la manipulation, comme le fait le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Retrouve-moi sur l'Omni pour plus de vidéos de français. Non, la littérature ne m'a pas sauvée. Pourtant, toute ma vie, j'ai aimé les livres. La lecture est une activité si particulière, presque magique. Quand on lit, on est seul. Quand on écrit, on est seul. Mais ce sont des solitudes peuplées, des silences pleins de murmures. Je ne sais pas pour qui j'écris, mais je sais depuis quel endroit je voudrais écrire. J'écris depuis l'enfance, depuis la petite fille que j'étais. Depuis sa colère, depuis son envie de vivre. J'écris en pensant à celles et ceux qui sont passés par là où je suis passée. À celles et ceux qui ont traversé les ténèbres et qui n'ont d'autre choix que de continuer. J'écris pour ceux qui ne sont pas résilients, qui se sont jetés par la fenêtre pour pouvoir arrêter enfin de penser à ça. Pour ceux qui vont pleurer en m'écoutant. Celles qui vont détourner le regard pour ne pas m'écouter. Celles qui ont parlé, celles qui n'ont pas parlé. Ceux qui n'ont personne à qui parler,
ceux qui ne peuvent pas voir, ceux qui ne peuvent pas entendre. Je n'écris pas à leur place. Je sais que je ne peux pas, que personne ne peut se mettre à leur place. J'écris pour leur dire, je sais que vous êtes seuls. J'écris pour leur dire, vous n'êtes pas les seuls, moi aussi je suis seule. Nous partageons cette solitude. Nous sommes ensemble dans cette solitude. Ça ne va pas nous sauver, mais c'est toujours ça. Vous réagiriez comment si vous appreniez que la personne dont vous êtes en train de tomber amoureux est en fait une grosse raclure, et en l'occurrence, une grosse raclure en mode MeToo? C'est ce qui va arriver à Aurore dans Western de Maria Pourchet. Alors le sujet est inflammable, mais je vous le dis tout de suite, le pari est réussi, et même réussi haut la main. Donc si vous cherchez un roman qui vient de sortir, un roman d'une autrice de talent, un bon roman, un vrai roman, allez acheter Western. C'est une histoire d'amour entre Aurore, qui a la quarantaine, qui est mère célibataire, qui habite à Paris et qui va tout plaquer pour aller vivre dans le sud-ouest, et Alexis Zagner, qui est une grande figure du cinéma et plus dernièrement du théâtre, qui correspond typiquement au profil du mec qui se prend une MeToo, la cinquantaine, riche, célèbre, bon vivant et un petit peu trop justement quand ça concerne les femmes. Cet Alexis Zagner va se faire attraper par une histoire qu'il a vécue récemment avec une étudiante et il va décider de fuir. Évidemment, c'est un roman, donc dans son exil, il va tomber sur Aurore qui elle-même s'est exilée. Je vous en dis pas plus, le reste c'est de la littérature, mais cette fois c'est de la littérature au sens propre. Une langue inégalée, des personnages fouillés, des points de vue fouillés, quelque chose de très romanesque, beaucoup plus que dans ses romans récents. Et surtout, ce qui est pour moi l'ingrédient d'une vraie œuvre d'art, d'une bonne œuvre d'art, c'est qu'il y a de la subtilité. Ça veut dire qu'aucun personnage n'est ni tout bon, ni tout gentil, ni tout méchant. C'est subtil, c'est fouillé, c'est compliqué, bref, ça ressemble à la réalité. Et alors, pour tout vous dire, à la lecture, quand j'ai commencé, j'ai hésité. Ensuite, j'ai bien aimé. Et ensuite, je l'ai refermé et je me suis dit, n'y pense plus pendant quelques jours, voire quelques semaines. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle que maintenant. Et maintenant que le temps a passé, je peux vous dire ce que j'ai compris récemment. En fait, Western est un grand roman. C'est bien écrit, ça traite d'une thématique qui est très actuelle, mais aussi universelle. Elle arrive à prendre la thématique de MeToo et à la sortir de son époque pour la rendre intemporelle et pour rendre l'histoire intéressante, quelle que soit l'époque à laquelle on la lira. Il y a peut-être 3 romans à lire par entrée littéraire, Western est l'un de ceux-là. Il y a peut-être 4 ou 5 auteurs à lire par décennie. Et ben, Maria Pourchet en fait partie. Dites-moi ce que vous avez pensé de Western. Je sais notamment qu'il y en a qui trouvent que l'autrice a pas été assez dure avec le héros. Il y en a aussi qui trouvent que l'autrice se regarde trop écrire. Dites-moi ce que vous en avez pensé et argumentez, et comme ça on pourra échanger dans les commentaires. À bientôt. J'ai lu un peu plus de 100 pages, pour l'instant c'est assez prévisible. J'ai deviné pas mal de plot twists. Ça ressemble énormément à tous les autres livres avec des fées, genre ça ressemble beaucoup à Impact avec le roi elfe, mélangé à Du prince cruel, mélangé à d'autres livres dont je tairai le nom. Donc pour l'instant pas trop emballé, mais ça se lit tout seul, donc à voir. Bon, ça commence à s'accélérer un petit peu, j'aime de plus en plus et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je sens qu'il va y avoir un triangle amoureux et j'aime trop les triangles amoureux quand c'est bien fait, mais j'espère vraiment qu'elle va choisir celui que j'aime parce qu'il est trop incroyable. Ce que j'aime trop avec ce livre, c'est qu'il y a toujours du mystère et du coup on attend toujours des révélations, donc ça nous donne envie de continuer et de vraiment savoir tout le temps la suite, et ça se lit tout seul. Mesdames et messieurs, il y a eu le fameux... C'était une fausse alerte, j'ai trop la haine. J'ai plein de théories concernant les personnages, concernant la famille des personnages surtout. J'ai plein de théories, je suis sûre qu'il y en a au moins une de bonne, mais je peux rien vous dire puisque ça va trop vous spoil, mais... Ceux qui ont lu le livre, je pense que vous savez de quoi je parle. Ok, il y a une de mes théories qui était vraie. Non mais... vive les trahisons en fait. J'ai même plus de force pour réagir tellement il y a des trahisons dans tous les sens dans ce livre. C'est incroyable. J'adore les trahisons, je vis pour les trahisons. Non mais je vais péter un plomb, il y a encore eu une trahison. J'ai terminé Ces promesses maudites. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je vous avoue que j'étais pas emballée au début parce que ça ressemblait énormément à toutes les histoires avec les fées que j'avais déjà lues. Et du coup je trouvais qu'il y avait pas trop d'originalité. Mais à partir de genre 200 pages, j'ai trouvé ça vraiment bien. L'évolution des personnages était bien, l'intrigue était intéressante. C'est un vrai page-turner, ça se lit vraiment tout seul. On a toujours envie de connaître la suite et ça c'est hyper positif. Non franchement j'ai été hyper agréablement surprise. Et là j'ai vraiment envie de lire le tome 2. C'est une nécessité absolue, je sais pas quand il sort, mais j'ai trop hâte.
Bref, si vous avez aimé Le Prince Cruel, si vous aimez les mondes avec les fées, si vous aimez les héroïnes un peu badass, si vous aimez les trahisons, franchement, vous allez adorer, je pense. Oh, so you're the sound that every Sarah J. Maas character makes. No! That's growling! I just wanna fuck the Darkling! Et on part sur une présentation des 5 mangas que je recommanderai jusqu'à ma mort. On va évidemment commencer par Letterby, aka mon manga préféré, qui est beaucoup trop peu connu à mon goût alors qu'il est incroyable. On va évoluer dans un monde qui est plongé dans l'obscurité, sauf pour les plus riches où il y a un as artificiel, etc. Mais pour l'instant c'est pas très important. Et on va suivre ce personnage qui est un colis. Un colis, genre un colis à envoyer. C'est littéralement ça, il a une étiquette sur lui, et un jour il y a un Letterby qui va venir le récupérer et le livrer à bon port. Et en fait, c'est un monde où les Letterby sont hyper importants puisqu'ils livrent ce qu'on appelle le cœur des gens, donc toutes leurs émotions, tous leurs sentiments au travers de lettres, au travers de colis. Et du coup, plein de mystères se retrouvent autour de ce jeune personnage qui, une fois qu'il va grandir, va vouloir être Letterby pour retrouver son bienfaiteur. Et donc on va suivre de là toute son histoire. En vrai, je raconte trop mal le résumé de ce manga, mais c'est juste incroyable. Tant par l'évolution du personnage principal, qui est juste sensationnel, par les personnages secondaires, par les dessins, la qualité des dessins. Je vais vous mettre quelques planches ici, mais c'est incroyable. Je suis amoureuse de ce manga, je le recommanderai jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, mon deuxième manga préféré, qui est celui-ci beaucoup plus connu, Vinland Saga. Donc on va suivre le jeune Thorfinn qui va assister à l'assassinat de son père, et depuis ce jour-là, il ne vit que pour se venger. Et donc on va suivre son histoire au travers des tomes, mais ce n'est pas qu'une histoire de vengeance. En fait, c'est tout sauf une histoire de vengeance. Mais je vais pas vous en dire plus parce que il faut que vous découvriez par vous-même en fait. Et en fait, l'évolution de Thorfinn est juste... En fait, j'ai pas les mots pour décrire ma passion pour ce personnage. Il est tellement intéressant, avec des revirements dans, que ce soit dans son esprit, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Ce qui va se passer en fait dans ce manga, j'ai juste pas les mots. Juste lisez en fait. Et ceux qui n'ont pas aimé l'arc de la ferme, vous avez juste rien compris à la morale du manga. Oui, je suis une personne toxique quand je dis que vous avez rien compris si vous avez pas aimé. Bref, lisez. Ensuite, autre manga, pas assez connu à mon goût, Happiness de Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi, je pense que c'est mon mangaka préféré. Je suis fan de ses mangas, j'adore son style de dessin. Attendez, faut que je vous montre. Bah, je vous mettrai des planches aussi ici, c'est sensationnel. Du coup, on va suivre un jeune garçon qui est harcelé par ses camarades de classe. Un jour, il va se faire attaquer par ce personnage-là. Et en gros, il va avoir le choix, soit il meurt, soit il devient comme elle. Et en gros, c'est un peu une sorte de vampire. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et on va suivre son histoire. En fait, je sais pas pourquoi j'ai autant aimé ce manga. Je pense que je suis tombée amoureuse des dessins. Je suis tombée amoureuse de la manière de raconter de Shuzo Oshimi. Et bref, c'était juste incroyable, j'ai trop aimé. Bread Stories, un manga absolument magnifique. Alors, on va suivre l'histoire de cette jeune femme, enfin de différentes familles. En fait, il me semble que c'est en Ouzbékistan, enfin dans cette partie-là du monde. Et on va suivre leurs coutumes, leur vie, les mariages entre les familles, les relations entre les personnages sont juste trop bien faites. J'aime trop les dessins aussi. Bref, petite pépite. Franchement, petite pépite. Et pour découvrir de nouvelles cultures, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et enfin, autre manga très connu, The Promised Neverland. J'ai pas les mots pour vous décrire ce que j'ai ressenti en lisant ce manga. En gros, pour vous faire juste un petit résumé du premier tome, on va suivre 3 personnages qui sont orphelins et qui sont dans un orphelinat. Et jusqu'au jour, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas un orphelinat tout beau, tout rose, et que la réalité est juste abominable, et donc ils vont vouloir s'enfuir de l'orphelinat, et on va suivre leurs péripéties. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai crié en lisant ce manga. La fin, il y en a beaucoup qui sont déçus de la fin, mais moi j'ai bien aimé. Même si elle m'a brisé le cœur, très honnêtement, mais en fait... J'ai tellement d'attachement pour les personnages. Emma, c'est pareil, un personnage qui a un développement juste incroyable. La suivre tout au long des tomes, suivre son évolution, son changement de mentalité, c'était juste incroyable. Bref, en fait, c'est une petite pépite ce manga.